Bonjour à vous, cher auditoire, c'est Mister Moustache en direct de Minecraft et de la map Mario pour un nouvel épisode quand on s'était quitté. Nous avions fait de nombreux niveaux dans la nuit, dans le jour. Nous avions traversé de nombreuses galaxies à la recherche de la princesse Peach, évidemment, et de la tanière de Bowser. Et nous y sommes finalement arrivés. Regardez-moi ça. Bowser cosmique, lava field, donc le champ de lave cosmique de Bowser. On y va tout de suite. C'est le... Ah, pourquoi je ne peux pas y aller? Ah si, ok. Il fait nuit, évidemment, puisque... Oh, qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Oh mon dieu, vous avez vu la musique? Ça fait un peu peur. Mon dieu, ok. Oh mon dieu! Prenons les pièces. Je vous rappelle, c'est une map Minecraft sans mode. C'est assez, assez incroyable. Où nous sommes, c'est une espèce de reprise de Mario Galaxy. Stick to the star and jump. C'est quoi? Ah, cette star là. Ok, c'est Mario Galaxy comme... Oh mon dieu! Y'a un Goomba! Hop! On est toujours des espèces de sumo. On se bat comme des sumo finalement, on écrase les gens de tout notre... Oh regardez mon dieu ce feu. On écrase les ennemis de tout notre poids. Et nous allons dans notre étoile. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Quoi? Oh mon dieu. Ok. Très bien. Ça avait bugué je pense. Ça jouait le son en boucle, c'était très très désagréable. Ok. Attention, oh mon dieu, ce Goomba nous a projeté en l'air. Mais en fait, il est complètement suicidaire, puisque s'il nous projette en l'air, on dirait qu'il y a un power switch qui pourrait faire quelque chose. D'accord. Il est complètement suicidaire, ce Goomba, parce que si... Ah, il est là, le power switch. D'accord. Alors, on va cheater. On est des ouf, nous. On cheat. On est Mario cheater. Qu'est-ce que ça a fait? Ah, oh. Attendez. Oh, mon Dieu, attendez, je peux passer par là. Allez, on va faire du speedrun. Non. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Ok, et donc là on peut aller... Attention! Oh! Ouf! Ah, il y en a la super pièce. Super! Il y a toujours ces trucs rouges, on n'avait toujours pas essayé d'aller dedans, mais je pense que c'est une terrible idée d'aller dedans. Donc on ne va jamais le faire, je pense. Voilà, spoiler alert. Ok. Il ne faut surtout pas tomber dans la lave. Parce que je pense que c'est un danger de mort mortel. Qui peut mettre fin à nos jours. Ok. Ah, on peut toujours... Oh mon dieu, attendez! J'ai pris un saut un peu trop court. On va sprinter. Hop! Mais non, mais comment on fait? Ok, c'est bon. Fallait prendre un peu plus d'élan et pas faire le débile comme je l'ai fait. Très bien. Cassons les blocs. Hop! Et dirigeons-nous... Oh, il y a un warp là-bas. Hop là! Très bien. Ah, oh, ça n'a pas marché. Ok, cassons ces blocs avec des pièces. On a 424 pièces, les amis, c'est énorme. Là, la Lamborghini, je vous rappelle qu'on fait une collecte de fonds, hein, de pièces, pour la Lamborghini de Peach. Cette espèce de fille un peu vénale. Ah, il est là! Battez Bowser, vous pouvez le faire! Mon dieu, mais déjà! Mais ça fait trop peur! Ah, mon dieu, mais c'est le boss! Oh! Y'a Bowser! Oh mon dieu, c'est quoi ce cri immense, immonde? Ok. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a des blocs power-up? Quelque part... Oh! Ah non, d'accord, c'est un... Aïe! C'est un ghast! Il faut que je le renvoie ses projectiles! D'accord! Envoie tes projectiles, Bowser! Je n'attends que ça! Je vais me servir de mes mains cette fois-ci, pas de mes pieds ou de mes fesses! Pour t'écraser! Bah, lance-moi des trucs, Bowser. S'il te plaît. Sois fair-play. Si tu ne m'attaques pas, je ne peux pas t'attaquer! Tu es tout en haut! T'es un cheater! Oh là là, mais quel cheater ce Bowser! Est-ce que tu peux m'envoyer des fire charge, s'il te plaît, Bowser? Je sais que si je te parle, tu ne vas pas me répondre, tu n'es qu'un bloc dans un jeu vidéo, mais quand même! Attendez, mais je peux peut-être aller... comme je saute très haut, j'ai l'impression qu'il descend de temps en temps. Regardez! Hop! Nya! Tiens, prends ça! Et reprends tes... Oh mince, je l'ai raté! Reprends tes... Fire charge! Oh mince, j'ai encore raté, mais je suis nul! Hop! Oh oui! Oh mon dieu, c'est déjà fini du coup! On a tué Bowser! Oh! Ah non, on a un nouveau niveau, c'est un nouveau niveau ça! Ah, on est dans un nouveau monde, les amis! Le Foggy Pix! Le monde des grenouilles! Non, Foggy, pardon, pas Froggy! Le monde en brumeux! Nuageux! Ok! Ah, on a des nouveaux niveaux! Mais c'est interminable, cette aventure, en fait, elle est trop bien!
Elle est beaucoup trop bien, cette aventure. Ok. Hop. Sautons. Ok. Hop. Bon, on fait un peu toujours la même chose, mais je pense que c'est un peu la destinée de Mario. Mario, je pense, doit être un homme un peu fatigué, vous savez, il est dans la cinquantaine. Il est avec une fille qui veut que de lui pour son argent parce qu'il est richissime. Vu le nombre de fois où il a tué Bowser et pris son trésor, je pense que Mario est quand même assez riche. Et vous savez, il fait toujours un peu la même chose, il a un travail, sauter... Voilà, au bout d'un moment, il doit avoir des escarres aux fesses en plus à force de sauter sur les Goombas. Non, ça ne doit pas être une vie facile d'être Mario. Donc, ayez un peu de cœur, hein, s'il vous plaît. Et faites des dons à Mario pour la Lamborghini de Peach, évidemment. Ça, c'est très important. Et pour acheter son nouveau frère à friser de moustache. Faire à moustache. Pour friser ses moustaches qui commencent à devenir un peu broussailleuses avec le temps. Il vieillit, Mario. Hein, il a, je crois, 30 ans ou un truc comme ça. C'est quand même assez énorme. Je suis en train de raconter la vie de Mario de manière assez dramatique en faisant un puzzle jump de la folie. Je ne sais pas si vous avez vu à quel point je suis extrêmement doué de mes 10 doigts. Je ne suis pas tombé encore une seule fois dans ces nuages radioactifs de Tchernobyl. C'est quand même un haut fait qui mérite d'être signalé. Je ne peux plus sprinter. Pourquoi? Je crois que j'ai faim. Je crois que Mario a faim. Le pauvre. Oh, attendez, il y a un secret là. Là, il y a un secret où je m'y connais plus, mais je ne peux plus sauter, je ne peux plus sprinter, donc c'est un peu triste. Je ne vais pas pouvoir. Non, je vais pas pouvoir. C'est triste, mais est-ce que je peux resprinter? Oui, je peux resprinter. Je crois que j'avais trop faim. J'étais pas mort depuis trop longtemps et voilà, le jeu m'a puni, tout simplement, parce que je suis trop bon. Il m'a mis un handicap, c'est normal. Les joueurs trop bons, on leur met des handicaps. Ok, on va essayer d'aller prendre cette grosse pièce. Oui, c'est par là. Ok. Après, on reprend ses rails ici. On fait ce jump extrêmement exigeant, que je ne fais qu'avec mon talent effectivement important. Sinon, évidemment, je serais mort des dizaines de fois. On n'est pas censé aller aussi vite dans ce jeu, j'imagine. Ok, faisons... est-ce que vous pensez qu'il faut... Ouais, plutôt comme ça. Je sprint, je saute. Oh mon dieu, non, j'y étais presque. C'est pas vrai. C'est dégueulasse. Mettez le replay. Je veux revoir le ralenti. Je sprint, je saute. Oh mon dieu, non, j'y étais presque. J'étais dessus. Mince. On va peut-être speedrunner comme ça parce que là, au bout d'un moment... Oh mais mon dieu, je suis trop nul. J'ai perdu tout mon mojo. Je me suis trop vanté, bah c'est ça. Hein. Au bout d'un moment, si on se vante trop, il faut pas se vanter les amis, c'est pas bien. Si on se vante trop, après, on a le karma qui arrive. Alors, karma, c'est un truc un peu japonais, mais vous savez, les japonais, normalement, ils inventent des trucs un peu cool, genre comment ça s'appelle? Vous savez, décorer son appartement de manière un peu... le feng shui. Ils ont inventé le feng shui, le yoga, les trucs un peu cool, mais ils ont aussi inventé le karma, et le karma, c'est pas cool. C'est un truc qui vous massacre la vie, hein, si vous faites pas attention. Voilà, les japonais, des fois, ils sont énervés. Hein. Attention! Mais non! Oh mon dieu, j'y arriverai jamais à ce saut, il est incroyablement dur. C'est parti. Hop. Et oui. Oh mon dieu. C'était pas simple, hein. Ok, on va pouvoir prendre ce tuyau harpe et découvrir... Oh mon dieu, le niveau n'est pas terminé, regardez. Il y a encore des milliards de choses à faire, mais en fait, c'est une espèce de mine, j'ai l'impression. Vous avez vu, il y a des rails et tout. Ça fait un peu des mines. Des mines dans le ciel, c'est magnifique. C'est très poétique. Les gens minent les étoiles. Oh, c'est beau. Pour les donner à leur bien-aimé. C'est magnifique. Hop, ok. Continuons, de raconter des insanités complètement folles. Offrir des étoiles à sa bien-aimée, ça n'a aucun sens. Et on arrive à la fin du niveau, oh mon dieu. Ok, on n'a plus que quelques sauts à faire. On a eu la grosse pièce du niveau, vous avez vu, hein, c'était quand même assez incroyable pour être notifié. Là, je crois que c'est le début du niveau, en fait, on a fait un espèce de tour. C'est vraiment ridicule. Mais c'est pas grave, on aurait pu faire un raccourci, là, ils auraient mis 2-3 blocs, et voilà. Oh mon dieu, on a d'autres niveaux. Ah, magnifique, le Voxel Comet. Mais regardez, il y en a encore des milliers, des milliards, de millions de niveaux. C'est incroyable, cette aventure ne finit plus. Oh mon dieu. C'est quoi cette musique de malade? Oh, regardez, c'est des pièces... C'est des pièces de puzzle en bois, c'est magnifique. Ok. Super. Hop. Très bien. Il y a des pipes de téléphone. Je ne comprends pas trop l'intérêt de ça, mais... on va dire que c'est la technologie... Mince. Je suis tombé dans le vide comme un caca. C'est un peu triste. Il n'était pas si difficile que ça ce saut, hein. J'ai un peu honte de vous proposer ce gameplay aussi mauvais. Ok, c'est bon, on a fait le saut. Hop, on va sauter sur ces blocs. Toc. Hop, on fait
Oh mon dieu, mais comment je... Qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Vous avez vu, c'est un truc... plus on... Oh, c'est trop bien! Quand on va sur ça... Ah oui, c'est un balancier, en fait. Vous avez vu, une planche en bois en balance. C'est trop bien fait. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ok. Attention. Ok. Très bien. Oh mon dieu. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Ok. Très bien, je peux passer là. Oh! Oh! Très bien. Donc là, il faut que je saute. Je saute! Ok. Ce petit bloc-là. Ah mince, c'est un balancier. Vite, et là, il faut qu'on sprint. Oh là là, c'est trop bien ce niveau. Il est trop bien. Ok, on a pris l'étoile, on s'est fait téléporter. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On va aller là. Ok. Hop. Elle est folle, la musique. Ok. On va prendre ces pièces-là, on va retourner. Hein. Pourquoi pas. Et on va aller, hop, ici. Regardez. Ah, mais il y a un bloc que je n'ai pas pris ici. Pourquoi ça? Ah non, prends tout. Prends tout, mon ami. Tu ne sauras que trop faire de plus de pièces. Hein. Là, il y a un secret, c'est sûr. Je m'y connais pas. Ok, je m'y connais pas. Tu n'auras trop... Oh! La pièce unique, elle est là. Ah, il faut utiliser ce bloc. Oh là là. Regardez-moi ça. Trop fort. On a, pour l'instant, on a trouvé tous les secrets, je crois, du jeu. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais c'est complètement fou, ici. Ah! Oh! Oh mon dieu! Non! Ah! Non, il a disparu! Oh non! Oh mon dieu, il faut que je refasse tout le niveau! Il pourrait mettre des checkpoints quand même, à chaque fois qu'on prend des étoiles. Ce serait... S'il y a un petit truc que je pourrais dire qui est pas cool... Ah non, il l'a fait, excusez-moi. Autant pour moi. Il y a des checkpoints. Donc là, si je passe ici... Mais en fait, ça se désagrège au fur et à mesure. Oh mon dieu! Ok. J'ai énormément de mal à voir le pattern de ce truc-là. Attendez, on va aller sur... Non, ça disparaît. J'ai un peu du mal à voir le pattern, je vous avoue. C'est un peu compliqué pour moi. Ok. Très bien. Alors. Donc là, je passe ici. Là, j'ai un truc qui... Oh mon dieu! Ils bougent assez rapidement quand même, les blocs. Hein. Et ils disparaissent. C'est vraiment ça le plus difficile, c'est qu'ils disparaissent. Et que je vois pas très bien le pattern. Regardez-moi ça. Oh mon dieu! Il faut que j'analyse avant de sauter. Peut-être qu'il faut que je réfléchisse deux secondes avant de sauter. Parce que Mario, vous savez, on se dit, ouais, c'est facile de sauter, mais c'est un métier. Et c'est un métier qui demande de la réflexion, je ne le sais. Je ne le savais pas, finalement, et je respecte un peu plus Mario maintenant. C'est un petit... C'est quand même pas si simple. Tout ça pour une blondasse. Quand même, au bout d'un moment. C'est quand même cher payé, hein. Ok, donc là, hop. Là, je vais même pouvoir prendre la pièce. C'est pas grave, j'ai pris la pièce, je suis mort. Maintenant, je vais rusher. C'est bon, j'ai compris. Il faut passer par le côté gauche. Enfin, par la profondeur. C'est plus facile. Regardez. Je passe par là. Pardon. C'était une démonstration pour vous montrer comment ça fonctionnait pas. Maintenant, je vous montre comment ça fonctionne. Promis. Promis juré, je vous montre exactement comment il faut jouer. Hop, regardez. Je saute là. Là, je fais ça. Là, hop. Là, easy. Easy. Comme ça. Ensuite... Mince! J'ai oublié de sauter, mais il saute pas aussi, Mario, il est flemmard! Pas de ma faute aussi! J'ai oublié de sauter. Et oui, faut appuyer sur tous les boutons. Ok, paf. En fait... Oh mon dieu, mais... C'est pas possible! On peut pas passer autant de temps sur un... Sur un puzzle jump! Avec cette musique qui commence à me rendre fou! Je commence à croire qu'on m'appelle de toutes parts. Attention! Ok, c'est bon. Ok, ça c'est bon. Ça, c'est bon. Là, ok. Sprint! Non, mais il a disparu au dernier moment. Exprès, il m'a vu arriver, il a fait « Je disparais ». C'est vraiment quelqu'un de méchant qui fait ce niveau. Il est méchant! Il est méchant moche! Ok. Oh, des petites... vous avez vu des... Attendez, on va passer par là, parce que là, il y a plein de pièces. C'est magnifique. Ok. Par là. Oh, c'est bon! Après, on a un petit puzzle jump tout sympathique à faire. On va le faire progressivement. C'est tranquille. Et on a fini le niveau incroyable. Oh, mon Dieu! Oh! Oh! C'était dur. Ok. Donc, maintenant... Celui-là, on l'a fait. Ah, là, on a le choix entre deux niveaux. On va peut-être pas faire les deux dans cet épisode. Mais on va faire... Est-ce qu'on ferait pas celui-là? L'Oasis. Je pense que c'est dans la journée. Ça va nous changer un petit peu. Voilà. Ah! Ah!
Ok, faisons ce niveau complètement fou. Je vais vérifier juste ici s'il n'y a pas la super pièce. Non. Ok. Je pense qu'il faut pas qu'on tombe dans l'eau. Regardez l'eau comme elle est magnifique. C'est de la vraie eau. Ok. Alors, attention. Oh! Ah mais on peut tomber dans l'eau. C'est un niveau sous-marin. Oh, c'est trop bien. C'est un niveau sous-marin. Oh là 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 là. Ok. Appuie avec ta tête. Ah oui, mais c'est un peu compliqué, je te l'avoue. Ah, ne meurs pas. Ne meurs pas. Mon ami. Ne t'étouffe pas. Oh mon dieu. Ok. Allons voir. Oh, il y a des petits poissons. Qu'est-ce que c'est que ça? 3. Ok. 2. Il y en a d'autres là. Attendez, faut que je reprenne ma respiration. Hop. 1 et 0, c'est ça? 4. 5. Oui. Et alors? Qu'est-ce qui se passe? Faut que je fasse dans l'ordre, c'est ça? Faut que je le fasse dans l'ordre, je crois. Ok. Alors attendez. Où est le 1? En fait, le 1, je ne l'ai pas trouvé. C'est ça la vraie question que je me pose. C'est ce que... Ouais. Ah non. Ah mon dieu, il y a un Goomba. Il y a un Goomba aquatique. Oh mon dieu. Il est infesté par un zombie mutant. C'est terrible. Quelle horreur. Attendez, hop. Il faut pas que je meure. Où est le 1? Ça doit être lui, le 1. Attendez. Hop. On va prendre tous les secrets, pourquoi pas. Très bien. Ça, c'est le 1. Non, c'est le 6. Something happened. Ah! Ah, mais j'avais pas besoin du 1, en fait, je crois. J'ai tout fait dans l'ordre. Ah oui, ça a débloqué un escalier, on peut monter. Et je pense que c'est la suite du niveau, en fait. C'était le truc qu'il fallait faire pour le niveau. Attendez, il y a deux pièces, là, qui... Il y a un bloc, ici. Et il y a deux pièces. Je vais prendre toutes les pièces, hein. J'en ai besoin. Je vous le rappelle. Est-ce que j'ai tout pris? Oui, je pense. On va aller là-dessus. Ah, je peux pas aller là-dessus. Il faut que j'aille sur ces petites slabs-là. Ce sera plus simple pour moi de monter. Hop! Ok. On prend les pièces, c'est parfait. On a 665 pièces, presque le chiffre du diable. Vite, prenons toutes ces pièces. Oh mon dieu, il y avait... Oh non, je l'ai raté, il fallait pas que je casse les blocs. Non, mais je pense que je peux faire ça. Hop! Très bien. Oh mon dieu! Oh non, je suis tombé. Je suis tombé. Hop! Très bien. Ah non mais ne tombe pas mon ami, c'est pas complètement idiot. Attendez, je vais juste regarder ici, regardez, il y a un... Je pense qu'il y a un passage secret là aussi. Oh. Je peux pas, il y a un bloc invisible. Il y a des blocs invisibles ici. Parce que ça doit être la suite du niveau. Ok. Hop. Marchons sur ces trucs. En bois. Et bah, j'ai envie d'aller par là moi. Voir s'il n'y a pas un secret. Mais je ne peux pas en fait. Ah si, ok. Parce que regardez, mais il y a des blocs invisibles. Mais pourquoi j'ai pas le droit d'aller là? Mais c'est dégueulasse! Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je crois que j'ai fait n'importe quoi. Je peux aller chercher des trucs là? Je suis pas allé chercher en fait ces trésors là. Complètement possédé moi, je laisse des trésors. Je suis fou! Hop! Ok, on a tout pris, on va refaire le puzzle jump et on va... Attendez, est-ce que je peux passer? Non, je pense pas qu'on puisse passer, il y a des blocs invisibles exprès pour éviter qu'on triche et qu'on aille directement en haut sans faire le truc hyper long qu'on a fait là avec les numéros. Ok, on va... Hop! Remonter. Regardez, il y a super bruit de cascade et on va aller dans cette étoile pour aller... Oh! Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord. On est en fait dans l'eau. C'est des espèces de... Puzzle jump de l'eau. Bon, c'est pas très compliqué, je vous avoue. Pour l'instant, je suis pas... Ah, il faut se laisser tomber, là. Ouais, je prends cette pièce et il faut se laisser tomber sur cette plateforme. Hop! On casse ce bloc. Parfait. Attendez, je vais juste... Hop! Prendre les pièces en bas. Appuyer sur ce bloc. Et donc là, normalement... On arrive vers la fin du niveau. Oui, je le vois! Oh mon dieu. Bon, ça, c'était pas très difficile, comme... Oh! J'ai failli dire quelque chose d'horrible en mourant. Et le karma serait revenu. Vous savez, j'en ai parlé. Hein. Très bien, on a fini le niveau. Hop! Magnifique! Ouah!
Magnifique. Bien cher auditoire, on ira faire... Donc, comment il s'appelle ? Oh mon dieu, j'ai l'impression que c'est le truc de la maison hantée. Le Ghostly Lighting Invisible. Le trou invisible de lumière de fantôme. À peu près. Cher auditeur, c'était Mister Moustache en direct de Minecraft et de la map Mario Super Galaxy 16 17 90 000. C'était Mister Moustache, je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. On se voit dans un prochain épisode. À la prochaine. Bye.